Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve sur ma chaîne YouTube, c'est Praxis9, donc j'espère que vous allez bien. Voilà, c'était pour vous dire là, je vais faire un petit défi contre la team La Salle, mais vraiment petit. J'espère en tout cas que la team La Salle va réagir, donc bien sûr Unwin, La Salle et... Comment il s'appelle déjà? Moki ou Smoky? Ouais, Moki, c'est ça. Donc du coup, les gars, je vous défie sur Forza Horizon 3, parce qu'apparemment, vous pouvez jouer avec vos abonnés. Défi, mais pas sans conséquences, bien entendu, c'est logique. Tu te doutes bien que si tu fais un défi, il y a des conséquences. Donc tu peux perdre quelque chose ou gagner quelque chose, à l'inverse. À toi de voir. Donc moi, voilà, je vais proposer un petit défi sur le circuit Goliath, qui est la plus grande course de Forza Horizon 3. C'est le plus gros circuit en fait, ça entoure tout le long de la map, tout le tour pardon de la map. On est juste là pour se taper des délires et voilà, faire des vidéos. On est là tranquille, moi je vous envoie un défi pour justement que vous participiez avec votre communauté, vous interagissiez avec votre communauté, voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, donc les conséquences, j'en viens aux conséquences. Quelles sont les conséquences? Bah tuning, tu vas me dire ouais tu veux faire une vidéo avec eux, ils accepteront jamais. T'inquiète pas, s'ils acceptent pas, c'est pas grave, c'est qu'ils auront juste, tu vois, là, ils auront pas, c'est tout, c'est, voilà, ce serait logique. Donc, moi, je vous propose ce petit défi, en conséquence, par contre, donc, si je perds, moi, là, tu vois ma tête, moi, si je perds, je vous propose un McDo à toute la team La Salle, donc, il y a Moké, Unwin, La Salle, Eden, Alien... Et après les autres, je m'en rappelle plus, mais voilà, donc ça va me coûter extrêmement cher, tu vois, pour moi c'est un enjeu financier, non je déconne. Mais ça va me coûter extrêmement cher, déjà que j'ai pas trop de thunes, tu vois, YouTube monnaie, 6$ par mois, ouh. Par contre, les gars, si vous perdez, si je vous prends tous les trois en 1 contre 1 ou en 3 contre 3 comme vous voulez, et la team frag gagne, je peux vous dire que, voilà, ça va pas vous coûter vraiment cher, hein. On fait une vidéo ensemble, ou des vidéos ensemble, ou carrément vous mettez cette vidéo sur votre chaîne YouTube. C'est votre contrepartie. Les gars, chacun sa contrepartie. Moi, je dois payer mon McDo à toute la team La Salle. Pourquoi eux n'auraient pas de contrepartie? Je suis désolé, il faut un moment que le YouTuber qui organise le truc, qui fait le truc et tout, qui a eu l'idée, tout ça, il ait un avantage aussi. Enfin, avantage, inconvénient, il faut qu'il y en ait dans les deux sens, tu vois. S'il n'y a pas dans les deux sens, ça sert à quoi? En tout cas, j'espère que, voilà, j'espère qu'ils vont s'y mettre, tu vois, qu'ils vont participer, sinon c'est pas drôle. Donc les gars, n'hésitez pas à aller les smasher, à aller les bombarder, tout ce que vous voulez, sur Twitter, YouTube, Facebook, avec le hashtag, je sais pas qu'est-ce qu'on peut mettre, défi frag 69, voilà, défi frag 69 c'est pas mal. Avec le hashtag défi frag 69, les gars, allez les bombarder de partout, en MP sur Facebook, sur YouTube en MP, YouTube dans les commentaires, Snapchat, Twitter... que ce soit Unwin, La Salle, toute la team La Salle, allez les bombarder les gars. Il faut qu'on arrive à faire ce défi avec les gars de la team La Salle. Ça pourrait vraiment être marrant et ça pourrait faire kiffer vous. Donc après pourquoi pas faire des autres trucs avec eux, des vidéos IRL, tout ça s'ils veulent un jour. Enfin bref, vous avez compris le tuning, j'espère que ça vous plaira. C'est sur vous que tout se joue les gars, non je déconne pas du tout. Ouais. Non mais en tout cas je compte sur vous pour aller les smasher les gars, je vais faire de mon possible. Et si la vidéo un jour arrive, je me filmerai en facecam pour vous faire plaisir, pour votre plaisir, pour votre plaisir visuel pardon. Donc voilà les gars, sur ce je vous dis ciao, la bise, portez-vous bien et ça fait plaisir, toujours avec le sourire comme vous voyez. Allez sur ce les gars, prenez soin de vous.